Au rythme actuel de disparition des espèces, en 2050, 30% de toutes les espèces sur Terre auront disparu. Et ce n'est pas seulement les tigres de Sibérie, les monstres de Tasmanie, les rhinocéros unicornes, c'est des milliers et des milliers d'espèces d'insectes, de poissons, de batraciens. Déjà, la population des poissons a été réduite de 80% dans les océans. Le 13 décembre, un projet de loi peut être voté pour empêcher le chalutage des fonds, des grands fonds, qui consiste à ratisser les fonds comme si on passait la cathédrale de Notre-Dame au bulldozer, des fonds qui se sont mis des milliers d'années à se former. Et donc, il y a là un vrai défi. La question de l'environnement est bien sûr éminemment complexe, mais si on y songe, c'est une question tout simplement d'altruisme et d'égoïsme.